Bonjour, j'espère que tout le monde a passé des belles vacances. Je sais que malheureusement, certains d'entre vous ont continué à travailler beaucoup cet été. J'espère que vous êtes reposés parce qu'on va avoir un automne intense. Si on est ici, c'est parce que il y a eu beaucoup d'entre vous qui avaient des questions. Ça fait qu'on s'est dit on va parler un peu des événements, des différents événements de cet été. Mais je vais faire un bilan de ce qui s'en vient cet automne plus tard. Pas aujourd'hui, là, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que je suis arrivé hier, je suis en commission parlementaire lundi, il y a énormément de choses à préparer, ça fait que j'ai pu me préparer sur un certain nombre d'activités qui ont eu lieu cet été, ou d'événements qui ont eu lieu cet été, mais je ne suis pas prêt à parler de l'ensemble de ce qui s'en vient cet automne. Je vais faire deux brefs déclarations là, avant de laisser toute la place aux questions. Le premier, c'est les Jeux de la francophonie. Je pense que ça a été un beau succès cet été pour Gatineau. Ça nous a permis de rayonner, notamment au Québec, mais partout au Canada. Moi, j'ai eu la chance de participer à toute la première partie des Jeux. Puis c'était vraiment intéressant de voir la mobilisation assez extraordinaire des bénévoles gatinois. On sait qu'avec les Jeux du Québec, on avait développé une expertise, puis on a été capable d'organiser des Jeux qui, à ce qu'on me dit, étaient pratiquement sans faute, là. Fait que ça, c'était intéressant du point de vue de la ville puis de notre rayonnement. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est le début de la commission parlementaire sur les régimes de retraite. Moi, je vais réserver mes commentaires sur le fond des choses pour la commission lundi. C'est que je suis en train de finaliser avec l'équipe ici, puis avec l'exécutif, le mémoire de la ville de Gatineau. Il est à peu près terminé. Là, on est en train on attend un certain nombre de commentaires. Mais j'ai parlé à la présidente de l'UMQ, j'ai parlé à un certain nombre de maires, j'ai parlé juste avant de partir en vacances au Col Bleu, j'ai parlé hier au président de la Fédération des policiers. Et c'est lundi où là, on va déposer le mémoire. Et à partir de lundi soir et mardi, je serai très disponible pour vous parler plus en détail de cet enjeu-là. Vous allez-vous demander quand même des assouplissements? C'est ce que vous allez apprendre lundi. On est en train de regarder quelle va être la position finale de Gatineau. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça se passe avec les syndicats à Montréal, le saccage qu'il y a à l'hôtel de ville? Comment vous pouvez ça? Bien, moi, je pense que ça aide pas du tout, là. Je comprends que c'est des groupes isolés. Moi, j'ai eu les assurances de M. Bussière, le président du syndicat de la fraternité ici à Gatineau, que ce n'est pas son intention. D'ailleurs, M. Bussière a un discours très modéré depuis le début en disant que c'est important ce qui se passe, ça touche nos membres de près, mais on va faire ça de façon raisonnable. Puis moi, je tiens le même discours, puis j'ai la même prudence, puis j'espère qu'on va garder ça comme ça à Gatineau durant tout cet événement-là. Je comprends que ça va parler fort là, d'un côté comme de l'autre, parce que les enjeux d'un côté comme de l'autre sont très importants. D'un côté, on touche aux retraites des gens, puis de l'autre côté, bien, c'est toute la santé financière de la ville, puis la capacité de payer du contribuable qui est concernée. Donc, ça va faire mal à quelqu'un quelque part. Mais si on peut avoir un discours puis des actions qui restent respectueuses des uns des autres, moi, je pense qu'on est bien parti à Gatineau, mais je vais être très prudent, puis je suis conscient que les présidents de syndicats, je nomme M. Bussière, mais les autres aussi ont jusqu'à maintenant eu une attitude qui pour moi, est saine. Donc, la tension n'est pas la même? Pour l'instant, la tension n'est pas la même. Moi, je suis prudent. Là. On va prendre chaque semaine une semaine à la fois, mais pour l'instant, on a un dialogue. Moi, j'ai répondu oui à toutes les demandes de discussion. J'ai redit à M. Bussière hier que s'il y avait quelques questions que ce soit, il pouvait me rappeler. En fait, il m'a appelé pendant mes vacances en disant est-ce qu'on peut se rencontrer rapidement parce qu'il voulait qu'on se voit avant la commission parlementaire. Puis on l'a fait hier. Puis moi, je veux que ce dialogue-là continue parce que ça peut être difficile, mais si on se parle, au moins on va. On va essayer d'aplanir les difficultés. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de commencer avec la négociation et la conciliation avant une loi? Bien, je vais me prononcer là-dessus à l'intérieur du mémoire, puis lundi en commission parlementaire. Parce qu'il y a de plus en plus de maires qui commencent à remettre ça en question. Est-ce que vous êtes dessus là? Bien, c'est-à-dire que moi, j'attends de voir ce que les maires vont dire officiellement. Là, il y en a qui vont se prononcer, si je ne me trompe pas, dès aujourd'hui. Et tout au courant de la semaine, là, il y a différents partenaires. Ça fait que moi, avant de dire qui dit quoi, là, je vais les entendre le dire eux-mêmes. Les syndicats ici insistent sur le fait qu'avec Gatineau, la situation est particulière à cause de la frontière et tout ça, puis qu'il faut pouvoir garder les bons travailleurs ici. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre de l'avant aussi? C'est sûr que
Moi, je l'ai dit depuis le début, il y a des principes qui doivent s'appliquer, mais il faut qu'il y ait une certaine place pour la réalité locale. Puis nous, la présence du gouvernement fédéral, ça reste un élément dont on doit tenir compte. Mais je ne veux pas aller plus loin parce que c'est lundi que je vais élaborer là-dessus. Mais maire, on peut-tu parler d'autres choses? Avec joie. Déboisement, projet de Brigitte. Qu'est-ce que vous pensez? Juste avant, les actions prises jusqu'à présent, par exemple, les autocollants, est-ce qu'on les condamne ou... Bien, moi, pour l'instant, je trouve que les choses qui se font dans un contexte correct. Là. Je ne considère pas que c'est des dérapages. Il faut se rappeler qu'il y a des moyens de pression, puis les gens doivent pouvoir s'exprimer. Ça fait que moi, je pense qu'il faut tolérer beaucoup de choses. Là. Il y a une limite que je ne franchirai pas, mais pour moi, cette limite-là n'a pas été franchie pour l'instant. Donc, à un moment donné, les gens doivent pouvoir s'exprimer. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Puis pour l'instant, c'est raisonnable. C'est quoi la limite à pas franchir? Je ne veux pas commencer des chicanes avant que la chicane ait lieu. Là. Ça fait qu'on verra à chaque étape qu'on franchit là, comment on vit avec. Là. C'est là où moi, je vais marcher sur des œufs puis je vais être très prudent parce que je ne veux pas... qu'on se chicane avant que ce soit nécessaire. Puis pour l'instant, ce qui s'est passé, correct. Parce que dans d'autres villes, là, on sait qu'il y a des règles plus strictes à ces niveaux-là, au niveau des syndiqués. À Gatineau, on est plus souple au niveau des règles. C'est-à-dire que pour l'instant, moi, je pense qu'il y a pas de... on n'a pas dépassé les bornes. Puis j'espère que ça va rester comme ça. Déboisement, projet Brigitte, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense essentiellement que d'abord, les autorisations ont été données. Ça se fait dans un contexte où Pêche et Océan, entre autres, disait qu'il faut que les travaux se fassent dans une certaine période pour des raisons environnementales. Donc, nous, on a agi assez vite pour que les travaux puissent se faire dans cette période-là. Ça fait que je n'ai pas de malaise avec ça. Mais la rapidité d'exécution, 4 jours pour obtenir le permis. Après avoir déposé un paquet de documents, études géotechniques, ainsi de suite, des plans, oui. quatre jours pour passer au travers de tout ça? C'est pour des raisons environnementales. Pêche et Océan dit si on veut protéger un certain type de poissons, on doit agir en telle date puis telle date. Et moi, je suis assez content que la Ville, des fois, puisse agir plus vite que dans d'autres. Puis dans ce cas-là, c'est pour des raisons environnementales. La perception que ça laisse, c'est que le gros promoteur devant le citoyen, quand on fait une vente de permis à l'urbanisme, ça va pas mal plus vite. Moi, je pense qu'on est dans le préjugé. Moi, comme conseiller municipal, j'ai vu la Ville agir rapidement dans des cas de petits promoteurs, en fait, même pas des promoteurs, des citoyens. Dans d'autres cas, j'ai vu agir trop lentement. Dans le cas de Gros, il y a aussi, c'est pas toujours pareil, puis on essaie de s'adapter aux besoins de la situation. Dans ce cas-là, on l'a fait, puis moi, j'ai pas de malaise. Qu'est-ce que vous répondez aux riverains? Couper des arbres matures, vous êtes à l'aise avec ça? Parce que c'est un déboisement en bonne et due forme. C'est un déboisement. La réglementation, notre réglementation, là, c'est un miroir de la réglementation de la loi québécoise. Ce que ça dit, c'est qu'on fait du déboisement, on n'en fait pas sur le bord des berges, sauf si on veut stabiliser les berges. Sauf si c'est dans l'intérêt de la berge. Et là, c'est ça qu'on a fait. On stabilise davantage la berge? On fait des travaux de stabilisation. On va replanter un nombre assez considérable d'arbres et d'arbustes. Et c'est des essences nobles. Moi, je pense qu'on a un projet qui fait qu'à la fin, ça va être mieux qu'avant. Sans ces travaux-là, est-ce qu'il y aurait eu un risque de glissement de terrain? Je ne sais pas si c'est un enjeu de déplacement de glissement de terrain. M. Boileau pourrait vous rappeler là-dessus. C'est une zone à risque. Est-ce que vous ne craignez pas encore un cas comme la rue La France? Dans tous ces travaux-là, surtout depuis la rue La France, on fait toutes les analyses requises. Si vous voulez des détails sur l'ensemble des analyses qui ont été faites, je suis certain que nos services vont être capables de vous les donner. Mais le permis a été délivré en 4 jours. Vous faites toutes les analyses vraiment? Non, un instant. Le permis... pour ce type de travaux-là, a été donné, mais les analyses de sol puis tout ça, si je ne me trompe pas, là, ça s'est fait il y a bien longtemps pour l'ensemble du projet, pas uniquement pour ces travaux-là. 79 Fraser, avez-vous demandé un nouveau vote? Il y a plusieurs aspects. Moi, je ne crois pas qu'il y a des faits nouveaux dans ce dossier-là. Je pense qu'on avait tout en main le 8 juillet pour prendre une décision. Si des élus amènent des éléments qui sont nouveaux et sérieux et tout ça, moi, je suis toujours prêt à reconnaître une erreur, là. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas de fait nouveau. Je ne sais pas si vous en avez, là, mais s'il n'y a pas de fait nouveau, on maintient notre décision. Il y a beaucoup d'élus qui étaient prêts à reconstruire. Il y a des questions d'un avis juridique que certains élus n'avaient pas vu. Est-ce que ça amène des faits nouveaux à votre avis? Pas du tout. D'abord, il y a beaucoup d'avocats à Gatineau.
Ils ont tous des avis sur ce qu'on fait. Nous, on fait affaire avec notre contentieux. Le 10 juin, on a parlé de Daskin en conseil. On a eu un mois, puis on a décidé de ne pas voter pour que les gens aient le temps de se faire une tête, puis de poser des questions, puis de se renseigner. Et pour moi, l'avis qu'on a reçu, dans la mesure où notre contentieux l'a reçu, dans la mesure où notre contentieux, 6 semaines avant de le recevoir, avait déjà analysé l'importance ou non du précédent Daskin. Moi, je trouve pas que c'est un fait nouveau. Là. C'est un élément qui peut permettre à des conseillers de poser des questions. Mais ça, ils savaient en juin. En juin, on avait déjà abordé la question de Daskin. Mais vous gérez comment le fait qu'il y a certains élus qui, eux, voudraient avoir un vote de reconsidération, qui vont mettre la pression là-dessus, puis il y a seulement que vous et M. La Jeunesse qui peuvent demander un nouveau vote. Bien, donc, gérer ça comment? C'est-à-dire que moi, je crois profondément dans le droit des conseillers, puis dans les règles démocratiques qui font qu'un conseiller puisse exprimer son opinion. C'est pour ça que M. Champagne a rencontré nos services hier. J'étais là, moi aussi. On a regardé c'est quoi le processus à suivre si quelqu'un voulait reconsidérer. Et ça va plus loin. C'est quoi les conséquences si on change d'idée? Parce que là, on se rappelle que dans ce dossier-là, il y a un an, on a dit oui à l'installation d'une maison à la mauvaise place. Le 8 juillet, on a dit oui et on a émis un deuxième permis de construction en disant, nous, on pense qu'on a un moyen légitime de corriger cette erreur-là puis de rendre la maison conforme, c'est une dérogation. Si 7 semaines plus tard, on change d'idée, là, il n'y a pas juste une question de choix démocratique de changer d'idée, là, il y a aussi, c'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences sur notre cause, là, un juge, là, est-ce qu'il va dire il y a eu une erreur de bonne foi ou il va dire écoutez, vous avez pris une décision le 8 juillet, vous n'avez pris le 26 août, puis elle n'est pas la même, puis c'est pas vrai que vous allez dans la facture à des gens autres qu'à vous-même. Ça fait que mardi, il va y avoir une discussion là-dessus sur quel est le processus pour remettre en question la décision si c'est ce qu'on veut faire, mais aussi sur quelles sont les conséquences légales pour la ville. Parce que, puis c'est ça que je suis pas sûr que tout le monde comprend bien, on a deux chapeaux. On a un chapeau de représentant politique. Mais on a aussi un chapeau de représentant d'une corporation. Puis quand la corporation s'en va en cours, bien, ce que les représentants de la corporation ont dit fait partie du dossier des uns et des autres. Ça fait que cette discussion-là, on va l'avoir mardi. J'aimerais vous entendre sur le fameux boule au thon. J'imagine que vous n'avez pas entendu parler. Comment vous voyez ça, cette situation-là pour Gatineau? Ça ne termine pas l'image de la ville? Bien, en fait, certains rient, moi, je ne ris pas. Là. Je trouve que quand le propriétaire dit « on n'est plus dans les années 50 », moi, je pense que c'est lui qui est dans les années 50, on cherche d'avoir des gens qui ont une sexualité saine, on veut une image de la femme qui est saine, on veut que les petites filles n'aient pas l'obsession d'un certain corps qui est pas un corps accessible dans la plupart du temps, et les valeurs qui sont véhiculées par cet événement-là vont à l'encontre de tout ça. Moi, je pense que c'est lui qui est dans la préhistoire, puis nous, on essaie d'améliorer notre société. Et s'il a le droit de le faire, puis je mets un « si », parce qu'il y a un cadre légal qui s'applique, s'il a le droit de le faire, qu'il le fasse, mais nous, on a le droit de le dénoncer, puis moi, je trouve qu'il fait honte à Gatineau. Mais vous ne comptez pas apporter quoi que ce soit pour empêcher que c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on regarde tout ce qu'on peut regarder. Est-ce que cet exercice-là se fait? Est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il a le droit de le faire de cette façon-là? S'il n'y a rien qu'on peut... si on n'a pas de prise réglementaire, bien, le règlement, on ne l'invente pas au fur et à mesure. Là. Si le règlement s'applique, le monsieur a le droit de faire ce qu'il veut faire. Mais s'il y a la moindre prise, on va la saisir parce que ce n'est pas des valeurs qu'on veut véhiculer. Moi, je trouve que c'est pas de bonne nouvelle pour Gatineau de voir ça. Puis c'est pas un message qu'on va envoyer du tout comme société. La mauvaise pub, j'imagine, pour la ville? Je pense que c'est surtout de la mauvaise pub pour cet entrepreneur-là. Là. Mais non, ça fait honte à Gatineau, là, je suis d'accord avec vous. Là. Centre multifonctionnel, est-ce que vous avez eu des détails concernant l'enquête, à savoir s'il y a vraiment eu des pratiques anticoncurrentielles dans la L'UPAC ne rend pas... Quand quelque chose va être public, c'est que l'UPAC va poser des gestes. Entre-temps, ils ne disent rien. Ça fait que nous, ils ne nous informeront pas de ça. Ce qu'on pourrait avoir à un moment donné, c'est être témoin de procédures qui s'engagent. Et les prochaines démarches, là, on relance le processus d'appel d'offres? Oui, nous, cet été, on a travaillé et on continue de travailler sur une nouvelle stratégie d'approvisionnement. On relancerait l'appel d'offres dès qu'on peut.
pour des réponses qui seraient... Je reviens de vacances avec mes délais dans ma tête. Je ne suis pas certain de quels sont les délais, mais rapidement, on aurait des réponses. Mais avec le même projet, avec une stratégie différente d'approvisionnement. Et si ça tombe, on recommence. La vérification administrative concernant l'urbanisme, dans le cas du 79 Fraser, est-ce que ça s'est avancé? Est-ce que vous avez des indications de ce qui n'a pas fonctionné là-dedans? Non, le rapport, je ne l'ai pas en main. Je le sais qu'il a avancé beaucoup, que les entrevues ont toutes été faites, que l'enquêteur a fait sa démarche qui est à peu près complétée. En fait, qui je crois, est complétée. On est vraiment dans la question de la rédaction. Mais je ne suis pas encore capable de dire à quel moment on va être capable de parler des résultats de l'enquête. Qu'est-ce que vous avez en tête pour l'urbanisme, les changements à l'urbanisme? Est-ce que ça va en commander, premièrement? C'est-à-dire que je ne veux pas présumer des résultats de l'enquête. Mais je veux une belle ville. Je veux une ville qui a des règlements qui font qu'au niveau esthétique, on améliore les choses. Je veux une ville qui écoute ses citoyens. Donc, quand des gens cognent à la porte, il faut qu'on prenne au sérieux ce qu'ils nous disent. Je veux que les communautés soient le plus impliquées possible dans leur développement. Puis, je ne suis pas sûr que c'est toujours le cas dans nos pratiques actuelles. Est-ce que le rapport va confirmer ça, puis va nous orienter vers des changements? On le verra quand on l'aura. Mais moi, je crois qu'il y a des changements à apporter. Dans nos façons de faire, il y a des améliorations à apporter. Ça fait partie de mon programme, puis je vais continuer à défendre mon programme. Est-ce qu'il y aura des suites? Parce qu'on entend parler d'erreurs. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Avant de parler de sanctions, puis de suites, puis tout ça, moi, je veux avoir le rapport en main. Ce que je sais, c'est que jamais je voulais qu'on ne voulait plus jamais qu'on revive ça, puis qu'on se trouve dans une situation comme ça, puis on n'aurait jamais dû se trouver dans une situation comme ça. C'est qu'il faut comprendre ce qui nous a mené à ça, puis il y a des changements qu'on amènera quand on aura bien compris. Mais je ne veux pas présumer des changements, je ne veux pas détailler les changements. Mais moi, quand les gens disaient, là, vous adoptez la dérogation, puis vous abriez le problème, c'est archi-faux. On a un problème de conformité d'une bâtisse. Ça fait qu'ou bien on la rend conforme, ou bien on agit autrement, puis dans les deux cas, il y a des conséquences. Moi, ma décision, c'était à partir du moment où on a un moyen légitime de rendre ça conforme, on l'utilise parce que c'est dans l'intérêt de l'ensemble des Gatinois, c'est ce qui est plus prudent, notamment au niveau financier, et c'est ce qui, même si certains ne sont pas d'accord, c'est ce qui, pour moi, limite les préjudices. Globaux, parce que des préjudices, il y a toutes sortes de monde qui peuvent prétendre en avoir. Après ça, après qu'on a réglé le problème de la bâtisse, là, oui, il y a des choses à améliorer, puis oui, elles vont être améliorées. Y a-t-il d'autres sujets, s'il vous plaît? Vous parlez avec M. Bégin pour regretter, parce que ce qui s'est passé dans ce cas-là semble l'avoir vraiment ébranlé. Il ne semble vraiment pas satisfait du résultat du vote, donc c'est la démocratie. Mais est-ce que vous avez discuté avec lui? Dans quel état d'esprit il est? Non, on n'a pas discuté. C'est-à-dire qu'on a discuté juste avant son départ. On s'est entendu qu'on se verrait à son retour. Ça fait que ça peut être en fin de semaine, ça peut être lundi, là, mais on va se voir certainement avant le conseil. Parce que lui, il voudrait avoir une reconsidération du vote. Moi, de ce que je comprends, c'est que pour l'instant, vous fermez la porte à cette option-là. Moi, s'il n'y a pas de fait nouveau, on ne recommencera pas. Raymond Chabot nous l'a dit. Un des grands défis de la ville, là, c'est de prendre des orientations claires puis le maintenir. Le vérificateur général nous a dit la même affaire. Ça fait que moi, s'il n'y a pas de fait nouveau, c'est pas parce qu'il y a du vent qui souffle qu'on va changer d'idée. C'est les faits, puis la réalité, puis l'intérêt des Gatinois qui doivent nous guider. Moi, je comprends que c'est tout à fait difficile à vivre pour M. Bégin. Je comprends qu'un président du comité d'urbanisme pouvait, en fait, sous aucune espèce de considération, endosser une dérogation comme celle-là pour une question de principe. Mais il y a un enjeu Fraser et il y a un enjeu urbanisme. Puis les réformes, puis les changements, puis les améliorations qu'on veut apporter à l'urbanisme, M. Bégin et moi, on partage les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes objectifs. Et ça, moi, là-dessus, je ne lâcherai pas. Mais malheureusement, sur le dossier Fraser, on n'est pas dans... On n'a pas choisi la même voie. Est-ce qu'au moment de prendre votre décision, vous étiez au courant de la situation financière difficile dans laquelle était le propriétaire de la résidence? Non, puis pour moi, ça ne change rien. Ce n'est pas un fait nouveau, ça non plus. Là, ce qui arrivera à sa,
à sa situation personnelle, nous, on a une décision à prendre par rapport à la conformité ou non d'un édifice, puis c'est là-dessus qu'on se prononce. Le reste, Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Concernant le vice-président de l'Aspirant de l'Amitié, là, qui doit ouvrir ses portes bientôt, on a appris là, récemment qu'il avait été impliqué dans une affaire de fraude. Et là, on le garde quand même à titre de vice-président de l'Aspirant de l'Amitié. D'ailleurs, il œuvre dans d'autres organismes de la région. Comment vous voyez ça, cette situation? Moi, je pense que c'est une décision qui appartient à chacun des organismes, puis je ne m'en mêlerai pas de ça. Il a été question beaucoup. En fait, il va y avoir un processus budgétaire qui va s'amorcer, là. Mais certains élus, surtout du côté de Gatineau, parle de déjà augmenter la taxe réservée aux infrastructures de 1 %. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible? Est-ce qu'on peut quand même maintenir les taxes raisonnables là, au niveau de l'IPC? On s'enligne comment pour ça? Ça, bien, ça sera une discussion qu'on va avoir au budget. Puis moi, avant de me prononcer sur ça, je veux qu'on ait un portrait global de l'ensemble de la situation financière de la ville, de l'ensemble de nos besoins, de l'ensemble des demandes. C'est un des défauts, moi, je trouve, qu'on a eu par le passé. C'est souvent, on y allait à la pièce. Puis quand on y va à la pièce, bien, peut-être que la quatrième priorité est extrêmement importante, mais il n'y a plus d'argent parce qu'on est allé à la pièce. Donc, pour moi, je veux voir l'ensemble du portrait avant de déterminer quelle sera la hausse de taxe. On augmente-tu la taxe dédiée, etc. On va prendre une toute dernière question, s'il vous plaît. Le train à vapeur. Bon, on a su là, récemment que le trajet Passanger-Montebello serait probablement viable. Comment vous percevez là, cette idée-là, de trajet-là? Est-ce que ce serait une bonne chose pour les secteurs de Passanger et Courtrières? Bien, on a plusieurs projets sur la table. La Ville va devoir se brancher. Moi, j'ai été assez clair auprès de l'ensemble des intervenants. Nous, il faut qu'on se branche d'ici au budget. Ça fait partie, quand je dis d'avoir le portrait global de l'ensemble des demandes avant de prendre des décisions, là, ça, c'en est une qui est importante. Il faut qu'on se branche sur un projet et il faut qu'on confirme notre contribution financière au prochain budget municipal. Et avant de prendre position sur un projet ou l'autre, moi, je veux avoir vu les trois. Je veux qu'il y ait un débat au conseil municipal parce que c'est pas tout seul que je vais décider ça, puis c'est pas... Même si la décision ultime appartient à la CCFO, ben c'est au Conseil des Gatineaux à savoir si on dépense de l'argent, oui ou non. Puis pour ça, il va falloir qu'on ait un débat sur chacun des projets.